Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire un petit prank à ma soeur. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc soyez indulgents. Donc en gros je vais lui faire croire que ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux ont été piratés. Donc depuis hier soir je commence à lui dire que mes anciennes vidéos disparaissent, que j'ai des trucs chelous qui se passent, que j'ai le talent de pleurer sur commande. Je vais me forcer à pleurer et là je vais l'appeler et lui faire croire que j'ai reçu un mail de menace, etc. Du coup voilà, j'espère que sa réaction va être cool et que la vidéo va vous plaire. Me forcer à pleurer et je l'appelle. J'arrive pas. Léonie, waouh, est-ce que ça veut dire que tu te déplaces? Ouais. T'as mis casse les couilles. Léonie, viens, c'est grave. Oh Vivi, ça va pas. Pourquoi? J'allais faire une vidéo, je voulais me connecter sur YouTube. Je vais vous lire le mail pour que vous compreniez un petit peu plus la situation. Bonjour Victor, tu as dû remarquer tes suppressions de vidéos ces derniers temps. Peu importe ce que tu feras, tu pourras en aucun cas changer la situation. On va aller droit au but. Nous possédons ton compte YouTube, Instagram et nous sommes en train de faire le nécessaire pour accéder également à ta boîte mail. Inutile de changer les mots de passe car nous avons déjà activé la géolocalisation et nous savons maintenant où tu habites. On te donne une seule chance pour récupérer seulement ta chaîne YouTube. Il faut que tu récoltes au moins 1000 euros avant la fin du mois. Sinon, nous clôturerons tes réseaux sociaux et nous dévoilerons bien entendu ton adresse postale. Nous publierons également ça un peu partout. Merci de ne pas répondre à ce mail. À très vite. Viens. Je fais quoi? 1000 euros? Oui. Mais leur réponds pas. Mais ils ont dit de pas répondre. Et comment tu veux que je leur donne les sous? Voilà pourquoi j'avais des vidéos qui... Je sais pas. Mais comment ils peuvent faire ça? Je sais pas. Là c'est grave, hein. 1000 euros à la fin du mois. Mais après, s'ils clôturent les réseaux sociaux, c'est pas très grave. Oui, mais je veux pas. Oui, bon, les réseaux sociaux, c'est pas grave, mais la boîte... L'adresse postale. Ils savent où on habite après. Mais ils peuvent pas venir. Mais pourquoi? Ben même. Non, mais s'ils le disent sur internet. Parce qu'on les a pas à la ligne de roue. C'est que ces gens-là, ils vont le faire à plein de monde après. Pour ajouter un peu d'amour dans ce moment de stress, voici une petite vidéo de chaton qui s'amuse pour faire digérer un petit peu plus le moment. Voilà, ne me remerciez pas. Mais ils t'ont envoyé ça quand? Aujourd'hui? Oui. À 2h21, c'est marqué. Ben, même si ça paraît impossible, mais moi, ça serait de... Faudra aller voir la police. Mais ils vont rien faire. Ben, ils s'en foutent, hein. T'as reçu qu'un mail? Mais pourquoi ils veulent pas que tu répondes? Je sais pas. Si ils te mettent ça, c'est que tu veux que tu répondes, hein. Il y a quoi à répondre? Mais j'ai pas les sous, hein. Mais c'est les économies, c'est pour le concert de PNL. Et t'as combien? J'ai 50 euros, même pas. Comment ils ont fait pour pirater? Je sais pas. Et ben c'était une caméra cachée. Oh merde, c'est triste. T'étais... Oh. Non mais c'est vraiment con. C'est moi qui me le suis écrit. Mais t'es vraiment bête. Mais t'es vraiment bête, t'es... Mais je pensais que t'allais être pleurer ou me dire oh là là. Je voulais...
voulais pas te faire croire des trucs graves. Tu peux faire coucou, une petite dédicace à tes amis. Mais t'es vraiment... Je t'aime. Mais arrête, t'es folle. Mais t'es quoi, mais... Je suis en train de faire le ménage, là. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais t'inquiète, ça passe, frère. Arrête de dire ça. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'es vraiment bête, hein. Je voulais pas mettre des trucs dangereux ou graves. Là, vu que c'est que les réseaux sociaux, ils m'auraient rien fait à moi. Puis ça m'a fait de faute d'orthographe, c'est ça qui m'a refait moi. Oui, il y a un pote qui m'a dit, pick up, Dylan, qu'il y avait une faute à... Je sais plus. Il m'avait dit qu'il y avait un S ou un T quelque part. T'es vraiment bête, hein. Je m'en veux, en plus j'arrivais. En plus, je regardais la caméra, je rigolais, j'ai dit est-ce que je le dis ou que c'est. Mais j'ai pas vu que tu rigolais. Mais je me mettais comme ça et je me mettais. Comment t'as fait pour pleurer? En fait, à la base, tu vois le jogging derrière là. Mais en fait, j'avais mis de l'eau sur mon visage, mais ça voulait pas. Et du coup, quand t'es arrivée, je me suis dit bon, allez, pour la vidéo, on se force. Mais j'ai vraiment eu vraiment du mal. C'est pour divertir les gens. J'ai vraiment cru que c'était vrai. Hein. Mais tu vois, j'ai pas fait. Il y en a, ils vont croire que sa mère est morte, ou qu'elle est écrasée, ou qu'il y a eu un braquage ou quoi. Moi, j'ai pas fait. J'ai fait un truc genre un mail. Mais t'en as vu sur ton compte en banque? Oui, je sais. Au début, je voulais mettre 300 000 euros, mais t'allais pas croire. Ah bah. T'aurais dû mettre 2 euros. Tu crois? Non. Likez si la vidéo vous a plu. Non, en fait, likez pas, c'est nul. Non, en tout cas, j'espère que j'ai bien enregistré et que l'image sera cool. Donc, oui, je pouvais pas mettre un trépied ici devant nous parce qu'elle allait très bien voir que c'était une blague. Déjà que là. En fait, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait ton portable ici. Mais encore, de toute façon, j'aurais filmé. Mais après, je croyais que tu vois, il y avait genre une araignée ou un truc. Par contre, s'il y avait une araignée, je serais sortie. je t'aurais pas fait pitié. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et à ma chaîne secondaire qui sera où? En description. Ah oui. Je rigole, je m'en vais avec moi. Bye.